formidable. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la réticence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la réticence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne reste que l'essence. Non, moi free boy, ça peut pas aller. Non, il doit développer. Donc là où c'est là, c'est que toute personne là maintenant que nous, qui va passer là maintenant, même si c'est ma tante éloignée que nous, elle me manque même l'acte de naissance, que on est de la même famille. Alors oui, moi je vais t'amuser. Moi, il n'est pas si grand que même dans les couches. Ça c'est la magie. Laisse mon téléphone en garde là. Même Vincent Pouba et même le Calabaco, on s'attue d'abord la bouche avec il n'y a même pas. Même le plus moins cher que pas. Ah bah la bâche n'a pas déjà dit. C'est ton problème. Tu attends seulement qu'une grande personne prenne la télécommande pour dire que tu veux visionner. Depuis le matin, tu ne visionnais pas. Mais tiens, maman. Vas-y. Tu veux pas même appeler tes tables. En awakening, même le goûter d'un enfant de la maternelle, à l'heure actuelle, moi et pas si cela j'y prends. Parce que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, non. Il va donner pour moi frigo et que ce soit tout comme ça. Oui. No woman, no cry. You got me. Mais je ne veux pas comme ça, papa, tu as chanté. C'est la monnaie du papa. N'attends pas ici. Moi j'ai réfléchi comment il doit faire les plantations industrielles. Quelqu'un gâte le terrain comme ça. Il ne sait pas ce qu'il doit faire de ça. Faut que je rencontre le propriétaire de cette terre. Non, ok. Ça c'est l'argent. Ça c'est l'argent. S'il ne sait pas quoi faire, qu'il me vende ça ou alors il me loue ça pour que je mette. L'argent, quelqu'un gaspille l'argent comme ça. Ça c'est. Hey, oh, ça m'a. Oh, donne le l'homme. Bonjour mon fils. Tu étais assis là. Je ne t'avais pas vu. Viens me donner. Tu me demandes de si je suis assis. Viens me donner. Ok, mon fils, c'est à moi que tu parles comme ça. J'avais quatre personnes ici là. Ils te demandent de venir me donner. Tu fais les matchs. Tu me demandes qu'ils parlent comme ça à qui là. Le fils de Ndongochina, je te connais. Le jour de ta naissance même, on est venu faire le voir bébé. Parce que ton père et moi, on était en train de boire, hein. Tu me parles comme ça, mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais venu faire le voir, bébé, non? Mais maintenant, moi, maintenant, alors, il vient faire le voir, papa. Donc, tu es même sérieux, mon fils? Je vais aussi voir ça aujourd'hui. Papa, je ne nous fais tout à rien, tu vois un peu, non? Faisons en sorte que la transaction ne soit pas longue. Oui. Et ça sera long. Tu veux donc quoi là maintenant? Tu vois que le fait cela même. Dans quelle poche? Montre le doigt. Mon fils, tu vas casser le cou. C'est la malédiction de tuer son père. Ouais, mon fils. Mon fils, le cou là. Tu vas faire la prison. Tu bouges mal. À ton jeune âge. Mais c'est moi. Ouais. Mon fils, le cou. Aïe. Je ne le dis plus. Aïe. 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 Les enfants d'aujourd'hui, les enfants à Grèce, c'est les enfants qu'on a vu naître à Grèce. C'est le fils de Ndongochina et de sa femme Françoise. L'enfant qu'on a allé faire le voir bébé. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la.
On doit pouvoir aller déverrouiller ça. En tout cas, Kenny va gérer ça. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Dans le quartier, on me fait ça. L'enfant de Ndongochina, comme moi j'ai vu naître, ose m'agresser. Il m'a pris le cou. Il m'étrangle, il prend tout. Yay! Si j'avais les garçons. Et que papa est un garçon, non? Non, toi, tu es encore petit. Ce n'est pas quoi ton niveau. Je parlais des grands garçons qui pouvaient aller me boxer. Ce bandit, parce que tu es un bandit. En journée, il n'attend même plus la nuit. Il n'a même plus peur de rien. Aïe, Nombalé. Papa, il y a quoi? Suna, ce n'est pas le fils de Ndongochina qui a la touffe ici derrière. Il a un truc ici derrière qu'il a tissé là. Braza. C'est lui. Il a fait quoi? Il m'a agressé. Le gars a tout pris. L'argent, le téléphone, même l'argent que ta mère va devoir aller donner à son ami d'abord marché. Le gars a tout pris. La façon que le gars m'a serré le cou. Le téléphone que tu venais d'acheter là. Il a pris. Parce que je n'ai pas de garçon dans cette maison. Pourquoi Dieu m'a fait ça? C'est déjà une menace pour ce quartier. Je vais aller voir le chef du quartier pour lui. On va excommunier l'enfant là de quartier ici. Les enfants qu'on a portés. Que je suis même allé donner 3 savons lors de son voix bébé. J'ai même rappelé à cet esprit mal averti que j'étais lors de son voix bébé. Oh. Il me dit que comme j'ai fait le voix bébé, lui maintenant fait le voix papa. Et son voix papa, c'est dans mes poches. Qui vient voir? Ça ne va pas se terminer comme ça. Eh, si j'avais un garçon. Si j'avais un garçon. Papa, laisse. Il y a égalité de genre. Moi seul, je suis 3 garçons. Donc, je gère ça. Il a l'habitude de toucher les mouches, mais aujourd'hui, il a touché l'abeille. On va te faire ça quand je serai morte. Mais tant que je suis encore en vie là, je gère. Ça fait 5 garçons, mais je gère. Va là-bas me prendre la batte de baseball qui est là-bas. Hé, hey, oh bien, ma part. Hé, Kirmigi, c'est pour faire quoi avec? On a dit ça qu'on est dans le pique, mais le pique avec. Miguel, on part. Vous partez où? Le gars est devenu dangereux, hein? C'est déjà un mauvais esprit. Ne partez pas vous faire massacrer là-bas. Vous allez le trouver où? Papa, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Je connais partout où il passe souvent, je vais le chercher partout. Miguel, allons-y.
s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Les cas sont transformés avec le temps, il ne reste que l'essence. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Les cas sont transformés avec le temps, il ne reste que l'essence. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Les cas sont transformés avec le temps, il ne reste que l'essence. Non, c'est lui. C'est lui, non, Miguel. Puis tu m'embêtes, toi, ma compagne, mon copain. Vous voulez bailler quoi? Le boutiquier n'est pas là. Moi, je voulais un jus très glacé. Mais moi, je me suis en train de partir comme ça. Grand frère, nous sommes là pour toi. C'est ton cerveau qu'on veut bailler. Je t'ai piqué. Grand frère, on ne court pas beaucoup. On ne va rien faire, non. Mais à partir d'aujourd'hui, nous sommes devenus ton homme. Voici c'est où ici, là. Venez à l'eau choix. Vous avez d'où quoi? Sont décidés de... Miguel, c'est pas le nombre que les premiers manières ont tué le serpent ivoire. Allons-y. Mais les enfants, c'est là sont partout, mon frère. C'est le mauvais esprit. Les enfants qui l'ont suivi partout. Le job aussi appétissé, c'est comme si mon frère. On chope les ordinateurs portables ici, on nous laisse avec. On s'y a roué comme ça là, on nous poursuit partout. Manaoué non, il ne paye jamais pas ça. C'est comme si tu demandais à Satan de nettoyer le sol de Jésus. Hey, papa. Ah, bah. Mais les mounas là m'ont même fait oublier le papier hygiénique. Car en tout cas, le Bermuda va gérer le reste. Hey. Hey petite soeur, vous avez fait comment pour nous là où je suis? Hein? Tu as fini de te libérer non? Maintenant libère les choses de mon père. Achoué, il ne vous pardonne pas ça. Il ne vous pardonne pas ça. Oui. Mais les enfants là, et tout ici là non? Même les Wednesday, tout on va faire. Et ne vous battez pas le ciel là. Oui. Assez. Les enfants. Pensez à quoi? C'est pour un si assez comme ça là que vous êtes en train de me nuire dans tout le quartier. Le Jacques ne suis même plus libre de mes mouvements, PSR. Hein? Et toi, tu as le cul dans. Qui t'a même d'abord acheté la batte que tu as sur la main? Mais PSR, y'a quoi? C'est quoi? C'est quelle vie ça? Mais. Et moto, vous êtes là. Et Wa quand même, vous êtes là. Là où vous ne devez même pas être là, vous êtes là. Vous me faites même faire les voeux de Tony Montana au stade qui escalade partout. Avec Pézisseur. Tu vois que si ça continue à la lue, si. C'est même d'abord quel genre de batte que tu as en main comme ça, là, petit frère, et toi aussi. À l'âge, si tu es dangereux comme ça, petit frère. Si ça continue comme ça, là, ma coupe va diminuer au quoi, tardon. Avec, baissé. Ma remèque à papa. Mon chou petit. Oui, avec mon petit. Prends ça. Compte bien. Ça, c'est pour le cache-nez de mon père. Même les cache-nez. Le cache-nez. C'est même d'abord quel genre de cache-nez, ça. Ou même qu'il me désinfecte d'abord. Il n'y a même pas honte. Tu agresses dans ton propre quartier. En plus, tu agresses même les pères qui nous ont vu naître. Ya! Yeah. Si tu as décidé de faire carrière dans le vol, va même faire ça ailleurs, non? Mais je te rappelle que le salaire du vol, c'est la batte.
Mais petite, avec toute la torture que vous m'avez fait rond toute la journée là, tu comprends moins où est là pour que vous ayez moi-même ces deux pieds pisés dans les deux petites barres là. Avec seulement. Je suis casse, vous m'avez fatigué. Oui. Si je te donne ça, c'est que je t'encourage. Miguel, on part. On s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps. Il ne reste que l'essence. On grandit, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. On grandit, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps. Il ne reste que l'essence. On s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas se transforment avec le temps. Il ne reste que l'essence. Avec une grossesse. Et jusque-là, je n'ai jamais cherché à savoir si c'était une fille, si c'était un garçon. Si même par bonheur, c'est un garçon, c'est qu'il a l'âge de cet esprit mal averti. C'est qu'il me venge. Mais j'ai perdu les traces. Je vais chercher cet enfant. Il faut que je sache si c'est un garçon, je le ramène à la maison. Voilà maintenant mes deux plus petits que j'ai envoyés. Pourquoi je m'ai blessé? Ils arrivent pas. Envoyez les brebis dans la tanière du lion. Quelque chose peut les ratifier. Quand j'arrive là-bas, ils vont tuer tous. Ils vont nous tuer tous là-bas. Il ne vous a rien fait. Papa, il pouvait nous faire quoi? Papa, il t'a dit qu'il va gérer, non? Donc vous avez réussi à récupérer toutes mes choses entre les mains de ce bandit. Voici ton téléphone. Ça, c'est vraiment mon téléphone, hein? Et qui? Suna, où est alors l'argent? Tu n'as pas aussi pris l'argent. Papa, ton argent est dans le sac. Je t'ai dit que je connais le quartier, c'est du recto verso, donc je connais ça par cœur. Suna, j'espère que vous ne l'avez pas tué, hein, Miguel? Parce que je n'ai pas envoyé personne tuer quelqu'un là-bas. Je voulais seulement récupérer mon téléphone et mon argent. Il ne faut pas qu'on dise que j'ai touché le maîtrier, hein? Parce qu'on ne tue pas chez nous. Tu as frappé la balle de baseball aussi sur sa tête? Miguel, toi, tu as percé les yeux. Faut pas qu'on dise que j'ai le maîtrier chez moi, pardon. Papa, quand il a vu le retour, il l'a négligé. Quand il a vu le charisme et l'arsenal qui accompagne le charisme, il a respecté. Et il a compris que vaut mieux un lâche vivant qu'un heureux mort. Eh, Seigneur, donc j'ai déjà des gens qui peuvent me défendre quand quelqu'un me manque de respect dans ce quartier. Il ne faut vraiment pas négliger quelqu'un. L'apparence n'est pas la réalité. Papa, tu as vu l'eau. Je suis un vaillant garçon. Vraiment, mon fils, je constate que tu es vraiment un vaillant garçon. Le piment et le ginger piquent, mais chacun pique de sa manière. L'homme reste l'homme. Papa, tu vois tout ce qu'on peut faire par amour pour toi, non? Alors, pour que nous soyons heureux, il faut que maman revienne. Ah, Suna, ah, c'est pas parce que vous avez fait un petit exploit que tu vas commencer à me conditionner. Ça ne te regarde pas. Ça, c'est entre ta mère et moi. C'est moi-même qui va savoir à quel moment elle doit revenir ici-là. Donne-moi d'abord le téléphone, donne d'abord. Oui. Et l'argent, là, tu gardes ça très bien. On va venir discuter de l'autre problème, là, quand je reviens. Tu me gardes bien l'argent, là. J'étais en train d'arriver quelque part, là. Vous allez à la maison et on se voit tout à l'heure.
Regarde comment les enfants me font porter la honte comme l'habit. Même quand je parlais là, au fond de moi, ça m'a touché. Et ce qui est là, c'est pas que j'écoute ce que mes sœurs me disent. Dès que ma sœur vient se plaindre de ma femme, je pile comme le légume, comme le poème. Dès que ma sœur me dit quelque chose, j'écrase comme le couscous. Et elles sont fières de moi. Et quand je leur demande maintenant de me servir la nourriture, ce sont les mêmes femmes qui me disent que c'est pas elles qui m'ont demandé de faire partir mes femmes. Oh, j'ai fait partir mes femmes à cause d'elles. Mais j'ai d'abord Wanda que je me lève avec le pied gauche alors que d'habitude ça vient le pied droit. Ah, you chop on way back. Moi le ministre des affaires de la criminalité dans ce quartier. Les enfants là avaient seulement le huissier ou bien c'est quoi? Maman Sarah. Mais sûrement la batte là même c'était même peut-être en plastique. Moi est fier là comme un Babylone. Hey. En tout cas non, je ne peux plus jamais d'aime comme ça. Hey. Il faut que j'essaie d'appeler celle qui est partie tout récemment, la mère de Tsunami et de Miguel, si elle va même répondre. Mais je vais quand même essayer. On dit qu'il ne risque rien, n'a rien. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence. Et de la quête des sens, les cas sont trop forts avec le temps. Il ne nous reste que les sens. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence. Et de la quête des sens, véritable. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence. Et de la quête des sens, les cas sont trop forts avec le temps. Il ne nous reste que les sens. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence. Et de la quête des sens, les cas se transforment avec le temps. Il ne nous reste que des sens. Encore toi, tu vas encore prendre soin de moi. Tu as vu mon arsenal, non? Inspecteur a été non. Maintenant tu me bats. Ils n'ont même pas pourquoi ils battent. Attends, la prochaine fois ils vont m'appliquer. Comme tu as les criminels chez toi. Quand elle pense que ta mère a respecté tous les interdits pour accoucher ça, c'est même sûr qu'on a enterré le fœtus et on a gardé le placenta à la maison. Pas le genre de réflexion là. Enfant perdu. Mais un petit fil en bas. Un salope de pipette pour mon enfant. Viens me déchirer l'habit. Un babouin que j'ai gardé chez moi. Si j'ai laissé l'enfant là-bas, ne soit-ce pas s'il avait exagéré sur la dot. Il dit que je dote la mère, je dote la fille. Et il faut me comprendre les choses qu'ils ont demandé. 50 porcs, 40 chèvres, 300 poulets. Que c'était quoi? Et je pars maintenant pour réclamer que mon enfant a déjà grandi et doit revenir. Le babouin me cravate. Jusqu'à déchirer la vie, ça combien cette chemise m'a coûté? Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça, il faut que j'appelle sa soeur. S'ils ont fait un plan là-bas pour me tuer, pour rester avec ma fille, manger la dot, ils ne mangeront pas. Pas du tout pas. Je vais récupérer ma fille. Je vais manger la dot de ma fille moi-même. J'arrive à la maison. C'est moi que tu appelles, mes foulous. Tu ne connais plus mon nom? Ça cause des choses comme ça que je me fais soit très mal dans le quartier ici. Tu connais plus mon nom? Tu manges, tu parles seul, il y a quoi? Tu prends le nouvel sac ou bien tu prends le pantalon? C'est quoi? Mbeflou, quand les gens ont les vrais problèmes, il ne faut pas venir blaguer. Quand tu me vois, je ressemble à ce genre de personnes qui fument le nouvel sec ou alors qui boit le pantalon. Hein? J'ai encore mes sens, c'est pas que je suis très énervé la colère. Hein? Tu connais ma femme Kabiyene, qui était partie avec ma fille là. Toi-même, tu te souviens qu'on était partie là-bas pour aller récupérer mon enfant parce qu'on était dans les petits problèmes. Mais alors, toi-même, tu as vu la liste qu'on m'avait donnée là-bas. Le nombre de porcs qu'on a demandé, le nombre de chèvres, le nombre de poulets. Gars, qui pourrait payer ça? N'est-ce pas moi-même, j'avais dit que restez donc avec, quand ça va vous dépasser, vous allez me remettre.
Je pars maintenant pour réclamer qu'elle revienne à la maison. Hein? Son oncle? C'est sur moi qui montre qu'il a déjà la force. Donc tu exagères. Tu as les enfants partout dans tout le pays. Même le coq là se retient souvent. Toi aussi. Bon, vous laissez, c'est moi qui fais. C'est mon corps qui fait. Ça a toujours envie d'assumer ses obligations viriles. Si tu attends que j'ai tué un jeune dans le quartier ici, ne demande pas. Tu connais le fils de Nogochina. On appelle. Il est bon noir comme ça. Qui? Braza. Braza, c'est lui. Est-ce que tu sais que la femme m'a agressé en début de semaine? M'a pris au téléphone. L'argent. Chasse que ma petite tsunami que tu connais et son petit frère Miguel. Hein? Ils sont allés reprendre ça. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais les enfants m'ont ramené mon porte-monnaie et le téléphone. La décision que j'ai prise, je dois empoisonner cet enfant. Il doit mourir. Hey! Ah, comment tu fais ma vibration, ton mignon? S'il m'a fait ça, toi alors, il peut te faire pire. Je dois tuer l'embryon dans l'œuf, couper l'arbre à la racine pour qu'il n'y ait pas de repousse. Cet enfant doit mourir. On va danser les années. Ici, dans ce quartier, pour cet enfant, je suis décidé. Tu pouvais imaginer un seul instant que Braza, c'est son fils, n'allait pas prendre une décision pareille. Mais pour éviter qu'il y ait mort d'homme, mieux vaut lui dire la vérité. Ah, mon fils, c'est quoi? Je t'ai pas dit de réfléchir quoi? Hein? C'est pour ça qu'il t'a demandé plus souvent voir les frappants là. Maintenant, tu réfléchis. Est-ce qu'il t'a dit que tu vas venir m'aider? Non, la mission là, je la mène seule. C'est une place, c'est moi-même qui gère ça. Oui, je n'ai pas demandé que je vienne m'aider. D'abord, tu vas m'aider, tu as quoi? Big Rouge, faut que je pèse l'abcès. Faut que tu dises la vérité. Braza, c'est ton fils. Tu sais que c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille? Braza, c'est mon fils, comment? Qui connaît ça? Qui est au cachot? Oui! Quel Braza? Braza, non! Comment tu me couches, mais bien. La crise, là, mon fils! C'est ton fils! Fils, comment? Table! Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne nous reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne nous reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne nous reste que l'essence. Big Rouge, faut que je pèse l'abcès. Faut que tu dises la vérité. Braza, c'est ton fils. Tu sais que c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille? Braza, c'est mon fils, comment? Qui connaît ça? Qui est au cachot? Oui! Quel Braza? Braza, non. Comment tu me couches, mais bien. La crise, là, mon fils. C'est ton fils. Fils, comment? Ta première femme qui était partie en Bénéta en 5 ans, tu crois qu'elle a mangé la grossesse là? Elle a accouché ici. Elle a resté un enfant comme Dongochina. Ça va pas? Ah bon? Papa! Beflou! C'est vrai que c'est qui a tué la biche de tes enfants dont tu connaissais? Dongochina même connaissait? Et... je comprends pourquoi! Quand on allait faire le voir bébé de l'enfant là, il me dit achète beaucoup de choses pour me faire honneur. Moi je croyais qu'elle faisait l'honneur à Nongochina. Oh c'était l'honneur de mon propre fils. J'ai acheté 3 savons, 2 couches d'âme, 2 détergents. Je vais me décider quoi, laisser quoi? Hein? Une tétine? Oui parce que le biberon, oh, c'est même pas moi qui devais acheter ça. Nongochina va me dire pourquoi elle a gardé mon enfant tant d'années sans me dire. Qui pourrait même me tuer? Me foulou. Il faut que j'arrive à la maison, que mes enfants commencent à venir habiter chez moi.
parce que ça risque beaucoup de prix. Voilà. Bon, ben c'est pour l'information, oui, hein. Mais c'est là où on connaît ça. Moi, j'ai pris avec toi. Oui. Voilà. Un monsieur, il est allergique à tout. Jupe, robe, matelot même. Génocide sexuel. Voilà, on vous demande d'être fidèle. Vous ne voulez pas être fidèle. Maintenant, tu as les enfants partout, partout. Il t'a même raté. Il t'a raté. C'était moi, lui, non. Même ton pantalon, là, je partais avec. Il t'a raté. Vous partez où? On peut écraser les arachides. C'est bien comme tu prends déjà l'habitude de faire la cuisine à ton petit frère. Parce que d'ici peu là, c'est toi qui vas laisser accabler ton petit frère. Bah, je dois aller en prison. Tu vois ça? Quelqu'un me déchire l'habit. Ma ceinture, il est resté avec. L'oncle de ta grande soeur, quand tu dis que tu as une grande soeur dehors là, a osé m'arrêter la bagarre. Bah, je suis allé dire que ta grâce doit revenir ici. Elle va revenir ici par tous les moyens. Par tous les moyens, je commence à récupérer mes enfants. Et que papa, il y a encore une grande soeur à passe là. Oui, Miguel, mon fils, tu es notre grande soeur. Notre famille est nombreuse, hein. Papa, on ne mange même pas d'abord bien à la maison. Tu vas encore amener les gens. Comme tu es mon enfant, c'est aussi mon enfant. Tous mes enfants doivent être à la maison. La chercher et nous allons venir vivre ensemble. S'il y a pour un, il y a pour tous. Hein? Il faut avoir l'esprit de fraternité. Hein? Et depuis ce temps-là, elle était où? En tout cas, c'est même pour mon problème d'abord. D'abord, ta femme est d'abord partie. Hein? Partie comment? Il y a eu quoi? Elle a envoyé Miguel à l'épargne le bois. Quel Miguel? Le biberon, si. Quelqu'un qui est même incapable de soulever la hache, mais elle a même quelle tête? C'est quel comportement? Hey, les choses qu'on ramasse partout. Hey. Moi, elle n'est pas allée accepter. Elle est partie. Elle a dit que si tu ne vas pas la chercher, ne reviens pas. Comme elle est même partie, la bonne débarras. Elle est rapatriée de mon cœur, de mes sentiments, de mes pensées, de tout mon être. Mieux le diable que tu connais que l'ange que tu ignores. Je pense que je vais aller chercher votre maman. Parce que mieux qu'elle vienne me déranger parce que là, les enfants ici. Mais calcule que je n'aime encore. Il n'y a même pas encore la souris. Elle veut dire, mieux rester là-bas. Elle est rapatriée. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne nous reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne nous reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas sont transformés avec le temps, il ne nous reste que l'essence. T'as pas même d'abord parti. Hein? Parti comment? Il y a eu quoi? Elle a envoyé Miguel à l'épargne le bois. Quel Miguel? Le biberon, si. Quelqu'un qui est même incapable de soulever la hache, mais elle a même quelle tête? C'est quel comportement? Hey, les choses qu'on ramasse partout. Hey. Moi, elle n'est pas allée accepter. Elle est partie. Elle a dit que si tu ne vas pas la chercher, ne reviens pas. Comme elle est même partie, la bonne débarras. Elle est rapatriée de mon cœur, de mes sentiments, de mes pensées, de tout mon être. Mieux le diable que tu connais que l'ange que tu ignores. Je pense que je vais aller chercher votre maman. Lui est resté là-bas. Elle est rapatriée. Bon, allez écraser, hein. Je suis à la maison. Comme l'oncle de ma fille me fait ses chichis là, il faut que j'appelle sa mère elle-même. Oui, si c'est elle qui a donné le genre de consigne à son frère, que mon enfant revienne ici, il faut que je l'appelle. Il faut que je sois. Il faut qu'elle essaye. Mieux, je viens appeler ici dehors. Les gens qui ont les oreilles tendues comme ça, là, comme les parasoleils, ils sont toujours en train d'écouter les choses des gens. Ils n'ont pas leur vie. C'est celui qui va vouloir écouter. J'appelle dehors. Personne ne sera au courant. Moi, seulement voir mes enfants arriver. Oui, ils vont fermer la bouche. Celle de Paul Nelly, ce banc, j'ai les enfants, j'ai les enfants. Elle ne sait pas que moi, j'ai déjà les personnes qui peuvent même déjà me permettre de manger. Hein? J'ai des grands enfants, des petits biberons, des choses qu'elle peut même balayer comme ça, le revers de la main. Tout ça se casse. Hein? Celui qu'on appelle Jean Lambert. J'ai mon enfant, quel enfant même?
Il croit le genre d'enfant que j'ai. Nous, on l'a couché tôt. Oui, allô? Oui. Tu es où? Non, non, ça ne va pas. Ça ne va même pas un peu. Comme c'est toi qui dis à ton frère de me battre quand j'arrive là-bas pour voir mon enfant. Le gars là m'a déjà pilé comme le Mintouba. Si tu vois, il m'a déchiré tous les habits. Tu es surprise, hein? Donc tu fais comme si tu ne sais pas que tu avais laissé les consignes avant quand je vais arriver. Qu'il me tape. Il m'a donc tapé. Tu as réussi ton coup, non? Mais ce que je voulais te dire, la dernière nuit que mon enfant dort là-bas chez vous, c'est aujourd'hui. Demain, mets l'enfant là dans la voiture, qu'elle me retrouve. Sans ça, ce que je vais faire. Donc si tu ne veux pas qu'il y ait un génocide dans votre famille, renvoyez-moi mon enfant tranquillement, calmement, nyangalement et rapidement ici. J'ai dit que fais son sac aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain. Fais son sac aujourd'hui et demain, qu'elle prenne la voiture. Oui, elle descend au carrefour. Je vais venir la prendre. Elle appelle seulement. Je n'habite pas loin de là. Oui, bah j'ai déménagé dans l'ancienne maison que tu connaissais là. Donc elle descend au carrefour. Dès que le carrefour, Guabang là, elle m'appelle, je viens. Oui. Allô, papa? Oui, allô, allô? Oui, Anita, tu es déjà là? Oui, je suis déjà au carrefour. Oui, il y a une grande maison avec un portail noir. Oui, avec un papa, avec beaucoup de papayes. Ok, d'accord, reste au carrefour. Je viens te chercher. Ok, papa. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Anita, c'est toi? Oui, c'est moi. Hey! Tu es déjà toute une grande femme comme ça là? C'est vrai que qui néglige le poussin ne mangera pas le poulet. Hé, hey, ma fille! Hey, viens m'embrasser. Ma fille! Ouais! Ouais! À la maison. Hé! Hey. J'espère que tu ne vois pas encore la paix des garçons là. Tu dois grandir. Les hommes, ce n'est pas pour toi. Tu m'as bien suivi. Donc, comme tu viens là, c'est parce que je veux que tu sois récupéré. On s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Les cas sont transformés avec le temps. Il ne reste que l'essence. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Véritable. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Véritable. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence. Et de la guérissance. Les cœurs sont transformés avec le temps. Il ne reste que l'essence. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence. Et de la guérissance. Les cœurs sont transformés avec le temps. Il ne reste que l'essence. Suna, viens, voilà. Suna, ça c'est ta grande sœur Anita. Anita, ta petite soeur Suna, et là-bas c'est ton petit frère Miguel. Hein? Embrasse ta soeur! Voilà. Miguel, va embrasser ta grande soeur. Anita, ne t'inquiète pas, il est timide. Tu vois un peu? Mais je sens que j'ai du fil à retordre pour l'adapter à sa soeur. Bon! Fier de vous voir comme vous êtes là. Allez, je vais vous dire.
apprends d'abord le sac de ta soeur, tu envoies à l'intérieur, tu envoies deux chez moi. J'ai encore une information à vous passer. Bon, Miguel, c'est toi. Voilà. Vous savez, une famille doit être unie. Hein? Une famille doit être unie. C'est pas bien qu'on est dispersé. Déjà, encore une information à laquelle vous avez un grand frère. Papa, encore un grand frère. Oui. Un grand frère. Vous avez un grand frère qui existe et qui doit entrer dans cette maison. Papa, donc, je ne suis pas le seul garçon. Donc, papa, n'était pas le seul enfant dehors. Le seul enfant dehors, pourquoi? Nous ne sommes nés que deux, hein? Ma soeur et moi. Et on nous a toujours menacés dans ce village parce qu'on était en infériorité numérique. J'ai donc décidé d'assumer mes obligations viriles et mariétales et faire autant d'enfants que je pourrais faire. Donc tu n'es pas le seul enfant dehors. Tu as trouvé un seul enfant ici dedans. D'autres arrivent, comme tu es arrivé. Oui. Ya papa, comme toi tu pensais seulement faire les enfants dehors, partout là. Le projet c'est quoi? Et voilà la rentrée qui est proche, c'est dans 2 semaines. Tu vas nous envoyer nous tous à l'école comment? On ne se rassasie même pas d'abord. Annie t'es arrivé. Et on a encore notre grand frère. Reste à savoir s'il n'y a pas d'autres enfants. Sonata toi. Si Dieu lui-même nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, les êtres humains, que lui-même a dit, vous êtes à ma ressemblance, à mon image. Hein? Il va me donner de quoi vous nourrir. Oui, il va me donner de quoi vous nourrir. Hein? Et on dit encore, ne te plains pas du lendemain. C'est aujourd'hui qui compte. Demain, c'est un autre jour. Je vous amène tous dans ma maison parce que vous êtes tous mes enfants et je vais vous nourrir avec le peu de moyens que je vais avoir. Voilà. Ok, papa. Et si toutes les mères là décident alors de venir, tu vas faire comment? Là-bas, c'est un autre débat. Pour le moment, je fais d'abord venir mes enfants chez moi. Elles sont encore chez leurs parents. Donc, chacun s'occupe de ses enfants. Comme Miguel, il lui faut encore du temps pour pouvoir faire des enfants. Celui-là pourra déjà m'aider à faire les enfants pour qu'on ait une équipe. On peut nous voir là, n'est-ce pas? Il y a bien le quoi, l'autre, notre. Une famille s'égare. Non, il va trouver que j'ai déjà toute une nation prête à combattre. Papa, j'espère que quand tu fais venir ton garçon, il ne va pas m'empêcher de faire mes choses. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Garçon de quoi? C'est ton grand frère. Oui, c'est mon enfant. Comme tu es mon enfant. Comme il est mon enfant. Comme elle est mon enfant. Papa a dit seulement parce que ma encore où est liberté encore une fois. Nous tout Kong ni chata manque chou. Hey, Tienda. Il m'a fait jouer mouche. J'espère que tu ne viens pas avec les cornes sur la tête, hein. Là où les bourdins dansent, les calebasses n'approchent pas. Donc, baisse la lampe là. Sur le Rishinga. Ne me faites pas attraper dans un exemple policier. La baisse ne va pas m'arrêter, c'est à cause de vous. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la réticence. Les cas sont transformés avec le temps, tout le reste de l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la réticence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la véritable. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Les cœurs sont transformés avec le temps, tout ne reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la guérissance. Les cœurs sont transformés avec le temps, tout ne reste que l'essence. Ah ouais, liberté, une couronne, une gueule. Nous tous Kong, ni chacun manque chou. Hey, Tienda. Il m'a fait jouer mouche. J'espère que tu ne viens pas avec les cornes sur la tête, hein.
là où les gourdins dansent, les calebasses n'approchent pas. Donc, baisse la lampe là, sur le Rishinga. Ne me faites pas attraper à Tangana Bessan, Claudicie. La baisse ne va pas m'arrêter, c'est à cause de vous. Celle-ci, oh, elle ne se rassasie pas. Tu veux manger comment? Comme l'éléphant. Toi, la liberté, ce n'est pas le libertinage. Hein? Ici, il y a les règles à suivre. Si tu avais le libertinage là-bas chez ton nom, ça ne se passe pas ici comme ça. Oui, en tout cas, dans 3 jours, je vous ramène votre frère ici. Papa, les États-Unis ont trop de problèmes aujourd'hui parce que c'est le tout venant. Chacun vit avec sa mentalité. J'espère que tu vas supporter ça. Toi, tu es là, tu penses seulement à la nourriture. Tu as demandé de saluer ta terrible soeur ici, là, ça t'a dépassé. Terrible. Autant elle est terrible. Papa, tu vois, non? Anita, Suna, Miguel, venez. Bon, il y a de cela 3 jours, je vous disais que je partais chercher votre grand frère. Et ça, c'est le jour du jour. Je suis en train d'aller comme ça, là où il se trouve, et il reviendra regagner cette maison aujourd'hui. Restez faire le ménage. Bah, il faut qu'il trouve la maison propre. Hein? Il faut qu'il arrive, tu vois que la maison est propre. Vous m'avez suivi? Voilà. Bon, je pars et tout à l'heure. Un enfant obéissant, sa vie continue. L'enfant qui n'obéit pas, sa vie ne va pas loin. Hein, mon fils, la délinquance n'est pas une bonne chose. Maintenant, moi, mon bois, moi, nous, tu veux dire quelque chose. Moi, me loin, tu veux dire quelque chose. Moi, me loin, il y a un pion, il y a un mouin. Ma telle, un pion, mais il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, moi, me loin, il y a un homme, il y a un homme, tu veux dire quoi que. Mais la matesse, il ne voulait pas qu'elle nous quitte les yeux comme ça. Mais ça, c'est pas la magie, même comme ça, là. Vraiment, je ne suis pas content. Maintenant, Mintab, j'ai mon enfant dans cette maison depuis des années. Toi, ma soeur, mon frère qui est dans cette maison, vous ne me dites pas. Moi, j'ai cru que l'enfant a été mort. Ou alors qu'elle était partie avec la grossesse, comme elle avait voyagé pour les autres. Gardez ça en secret. Est-ce que c'est bien? Je suis donc venu aujourd'hui là. Que mon sang ne reste pas dehors. Mais tu m'as mal de ton. Je viens prendre mon fils. Comme je l'ai vu fuir là. Comme tu as vu la fuir là. Il sait pourquoi il fuit. Il m'a agressé. Oui. Et c'est par ignorance. Bah, je suis sûr que s'il savait que j'étais son père, cela n'allait pas. Donc je suis donc venu. Que toi-même, tu l'appelles. Tu viens lui dire de ta propre bouche que je suis son père et que je vais le chercher. Comme ça. Voilà la venue de mon corps ici chez toi. Aujourd'hui, Goyam San Mazara Makouma moi. C'est le moi noir. Je suis venu seulement chercher mon enfant. Pas les problèmes. Hein? Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la réticence. Les cas sont transformés avec le temps. Ils sont grandis, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la véritable. Ils sont
ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cœurs se transforment avec le temps, il ne reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cœurs se transforment avec le temps, il ne reste que l'essence. Ok. Comme tu es venu dans mon voir, c'est que mon ami qui est ta femme m'avait dit de garder le secret. Le secret, c'est le secret. Je ne pourrais pas faire que mon ami vienne me dire un secret et moi je vais diffamer ce secret. Non! Bon, à cela le tien, comme toi-même, tu as su maintenant que cet enfant est le tien. Bon, je vais donc l'appeler. Raza, il a même pris la lèvre là. Raza! Viens ici. Tu es comme l'agneau. Alors que c'est la panthère qui est devant moi. Raza, tu le connais? On se connaît bien, ma fille. On ne se connaît pas bien, mais on se connaît très bien. Toi-même, tu le sais. Il joue l'agneau. Nkwe! Nkwe, panthère! En passant même, on cause là depuis mon frère et moi. Il a voyagé. Bon, en tout cas, on viendra lui rendre compte. Raza, comme tu le connais, comme vous vous connaissez. Yes, ou pas, tu es la transaction, mais c'est pas parfait. Voilà, pas aujourd'hui. Matin, mais moi je lève. Finis ta phrase, finis, ne coupe pas. Ne bégaye pas, finis. Finis ta phrase, je lève, finis. Non, Matin, comment ça, c'est mon père? Je suis en train de te dire que c'est ton père, c'est ton vrai père ici. C'est lui ton père. Mais mon père comment? Tu dis que c'est mon père comment? Moi, je ne comprends pas. Quand ta mère était enceinte de toi, elle t'a accouché. Elle est venue de naître chez moi. Et avant d'aller en Europe, elle était en mariage avec ce type. Qui est vraiment ton vrai père. Elle m'avait demandé de cacher le secret. Elle m'allait revenir dire elle-même le secret. Mais comme lui-même, il est venu. Je te rassure que c'est ton vrai père ici. Finalement, moi, même combien de pères. Tantôt, c'est mon père qui est ici là. Tantôt, c'est celui-ci, mon père. Demain, ça va être qui? Le bailleur? Mais ça, c'est lequel? Calme-toi. Ça, c'est ton père. C'est ton vrai père. En plus de ça, moi-même. Mais, Mathé, quand toi, tu dis même déjà que c'est mon père ici là. Nous, on a d'abord même nos différents, même entre nous. D'abord, nous, on a d'abord nos matas. Mais, je vois même que c'est Dieu qui m'avait même envoyé sur toi. Hein? Toi, tu lui avais même d'abord fait quoi pour qu'elle te quitte d'abord? Je comprends pourquoi Dieu m'a même envoyé sur toi. Mais ça, c'est une quoi ça? Maintenant que tu m'as donné à l'eau, dit que c'est mon père, ma tête. Ça se passe alors comment même? On part à la maison. Ah, c'est pour ça que je suis là. La maison. On va alors faire comment? On est venu te chercher. Tu as comme ça. Tu vas avec lui. On savait que le jour allait arriver. Et c'est déjà arrivé. Je vais faire comme ça. Tu réfléchis quoi? Entre, tu prends ton sac, on va à la maison. Mais nouveau pâté, c'est la guerre. Vraiment, mon frère, c'est toi-même qui es venu me chercher. Tu venais même là, tu disais que j'étais en train de faire ça avec moi. Ce n'était pas la causerie simple, c'était les conseils que je lui donnais. Parce que la délinquance, il est en train de prendre d'autres pays que moi-même, je ne comprends pas. Heureusement que toi-même, tu es venu. Allez, merci.
doucement, ça va aller. Hein? Je te remercie beaucoup de tout ce que vous avez fait pour lui. Maintenant, il est temps que je vous décharge de ce fardeau. Soit c'est ce qu'on appelle pas le chien avec le bout d'âme. Donc on va aller doucement et ça va aller. Plaza! Viens pas. Mais, Plaza, où sont les habits que tu avais achetés? Mathieu, j'ai prêté ça à mes amis. Prêté? Tu as vendu? Ils vont me rembourser normalement. On s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Et quand se transforme avec le temps, il ne reste que l'essence. On grandit, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Et quand se transforme avec le temps, il ne reste que l'essence. Ils ont grandi, on s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Et quand se transforme avec le temps, il ne reste que l'essence. Où sont les habits que tu avais achetés? Mathieu, j'ai prêté ça à mes amis. Prêté? Tu as vendu? Ils vont me rembourser normalement. Il y a quand même trois habits ici à l'intérieur. Trois? Tu vois alors ce qu'il te disait. On va trouver la solution. Avance. Avance. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je reviendrai quand mon frère va arriver. Oui, qu'on discute de ça à tête reposée. Mais je me charge de revoir son éducation. Vous avez fait pour vous, quitte à moi maintenant de faire ma part. N'oubliez pas. Doucement. Bon. Je connais chien. Ah, mais je connais le chien. À qui va? Pater, depuis qu'on marche là, mon frère, tu peux te maman tuer avec la marche à pied, la maison. Vous les jeunes de maintenant, vous êtes trop faibles. Marche. Je ne me plains pas, s'il te plaît. Et notre frère, même que papa est parti prendre là. J'espère qu'il ne fume pas les tramways, il ne dérange pas. Hein. Parce que je ne veux même pas les maux de tête. C'est pas bon. En tout cas, on va aussi voir, on va voir. Bien sûr. Lui, quand il approche les enfants, c'est devenu... Nous, on ne mangeait même pas bien que tu es d'abord arrivé. Tu manges encore notre nourriture, tu prends le poids. Tu m'as dit qu'elle veut même manger votre nourriture là. Pardon, ne mange pas. J'espère que quand on parle là, tu n'as pas une femme à la maison qui va aller me tuer là-bas. C'est comme tu m'as mis à la mort. Tais-toi! Je vais couvrir la bouche d'air. Pourquoi? Un enfant ne me menace pas, hein? Papa, donc c'est lui. Oui, c'est votre grand frère. Oui, c'est. J'espère que c'est la blague. Tu vois, là. Mon grand frère, toi. Mais tu demandais ça à qui? Demande-lui, est-ce que moi-même j'ai choisi ça en dessous? Mon frère. C'est votre grand frère. Oui. Papa, quelqu'un t'agresse et tu dis qu'il est ton fils, notre grand frère, plus mon grand frère. Tout le monde peut glisser. C'est pour ça qu'on dit que à quelque chose malheur est bon. Après la pluie, vient le beau temps. Voilà le beau temps là qui est arrivé. Après la pluie qui nous a mouillé il y a de cela quelques temps. C'est votre grand frère. Et vous lui devez respect. Purement une sup, c'est. Donc comme tu nous es qui venait, tu m'as d'abord gardé une sup. Et sur ta bouche, tais-toi. Incestueux. C'est ta soeur, Mianche le Wanga. Hein? Oui. C'est ta petite soeur. Mais c'est seulement la pépinière, le pâté ici là. Calme-toi. J'ai décidé que de désormais jusqu'à dorénavant, tous mes enfants vont habiter avec moi. Oui. Donc comme tu es venu là, elle est là. Soumé est là. Oh, petit Miguel. Et là, le petit du cuidam là. Oui. Ok. C'est ton petit frère. Donc laisse-moi ce que tu veux déjà faire là. Ce sont tes sœurs.
J'ai décidé que tous mes enfants doivent revenir à la maison. C'est pour ça que je vous récupère one by one. Un à un. Ngour non ngour. C'est pour ça que vous tous êtes d'arriver là. Oui, vous êtes mes enfants et je dois vous le connaître. Mon sang ne reste pas dehors. Papa, qui a reconnu le chat? Voilà ta fille Anita qui est arrivée, elle dort avec moi. Lui va faire comme il va dormir, lui va dormir avec toi. Il va seulement dormir au salon. Mais bien sûr, c'est la magie. Qui dort au salon? Donc il laisse mon appartement là-bas et vient dormir sur le salon. Qui dort au salon? Nous tous on va seulement dormir au salon. Si c'est dans la chambre, nous tous on va seulement dormir dans la chambre. C'est la magie même. Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! C'est moi qui parle ici. Personne ne prend de décision. Allez monter la chambre à votre frère, vous montez la douche, il finit de se laver et vous lui servez à manger. C'est quoi ça? Vous voulez me faire avoir un arrêt cardiaque? Vous avez dit que allons monter sa chambre. Laisse-moi. Va, il te montre là où tu vas. Hey! J'ai cherché, j'ai trouvé. Le nez qui demande la prise doit supporter même s'il y a un peu de piment dedans. J'ai l'habitude d'arrêter les mouches. Cette fois-ci, c'est l'abeille que j'ai trouvée. Le jardin d'enfant, si. Un super délégat. Mais en tout cas, c'est moi l'homme. C'est moi le père. Je vais les redresser par tous les moyens. Même s'il faut utiliser la force brute, je vais le faire. On s'éloigne davantage de l'innocence et de la quintessence. Les cas se transforment avec le temps, il ne reste que l'essence. On grandit, on s'éloigne davantage de l'innocence.